Bonjour. Donc, déjà, merci à Philippe, à Quantique, de m'inviter pour vous présenter un projet qui est le projet Acure PhD, mais aussi une thématique qui est la thématique de l'open science. Donc, ce matin, on a parlé de l'économie du partage. Et moi, la question que je vous pose, c'est voilà, le partage, c'est aussi le partage des connaissances. Gwendal a commencé à en parler aujourd'hui, notamment dans une des thématiques abordées par l'économie collaborative, qui est le partage des connaissances. Et moi, le partage des connaissances, je l'aborde du côté de ce qu'on appelle l'open science, ou la science ouverte. C'est-à-dire que des connaissances, aujourd'hui, c'est des connaissances à la fois qui sont apportées par des chercheurs, mais aussi des non-chercheurs. Et aujourd'hui, le monde de la recherche évolue par ces connaissances scientifiques qui, de plus en plus, créent des liens et des interactions avec des non-chercheurs. On a abordé aussi avec Amandine ce matin, par exemple, la notion de recherche-action. Et le mouvement de l'open science essaye, expérimente au niveau de ce nouveau partage des connaissances, mais aussi de nouvelles pratiques de partage des connaissances et des pratiques de recherche qui évoluent. Et ce que je vais essayer de vous apporter dans cette présentation, c'est notamment un peu une définition de ce qu'on entend par l'open science, mais également par la présentation d'une initiative que j'ai cofondée qui s'appelle Hack Your PhD. Je vais un peu vous expliquer ce que c'est. Donc, pour vous expliquer, Hack Your PhD est une initiative qui, si vous voulez, permet de s'interroger sur les nouvelles pratiques de recherche aujourd'hui et d'expérimenter de nouvelles choses. Et pour moi, ça se trouve vraiment au croisement de différents domaines qui sont aussi les domaines que j'ai pu explorer depuis plusieurs années. Donc le domaine de la recherche, moi je viens de neurosciences cognitives et après j'ai fait une formation en communication scientifique. Donc tout ce qui est sciences et numériques, comment on communique aujourd'hui au niveau de la recherche avec de nouveaux outils, donc les outils du numérique, aussi bien des blogs scientifiques, les réseaux sociaux. J'ai eu la chance de découvrir WeShare au tout début, quand ils étaient une dizaine, à se poser la question de l'économie collaborative. Et j'ai suivi leur parcours petit à petit, maintenant depuis 2 ans. Et je me suis questionnée aussi sur ce que c'était que l'économie collaborative, qu'est-ce que ça transformait, quel nouveau mode finalement d'organisation ça créait et quels étaient le lien entre numérique et partage. Et également autre chose qui est le mouvement du peer-to-peer, donc, qui est très en lien avec l'économie collaborative, c'est-à-dire le fait que, et Valérie en a un peu parlé ce matin, et qui est aussi lié au numérique, c'est à la fois on peut être consommateur mais aussi producteur, et ça remet en cause beaucoup de choses. Et moi, l'open science, donc de ce côté, de ce côté recherche et économie collaborative peer-to-peer, ça c'est né à cette interface-là. Donc là, je voulais revenir sur WeShare. Donc WeShare, c'est une initiative qui a au départ été française, avec un petit groupe qui s'est intéressé sur, au départ, la consommation collaborative, puis les pratiques en général, plus générales de l'économie collaborative. Et ce qui est intéressant pour moi, c'est de montrer l'évolution de cette petite communauté, une dizaine, qui, par des actions à la fois locales et grâce au numérique, ont pu générer un réseau d'acteurs et de personnes pour expérimenter et essayer de comprendre ce que c'était que l'économie collaborative. Et ça, c'est une photo de mai dernier, en 2013, au bout d'un an ou un an et demi, WeShare a réussi à organiser ce festival avec l'aide de beaucoup de partenaires sur l'économie collaborative. Et c'était un moment assez fort de voir comment on a parlé beaucoup d'incapacitation ou d'empowerment ce matin, comment par le numérique, on a une catalyse finalement d'initiative sur ce thème de l'économie collaborative. Et donc ce que je vous disais, moi vraiment, ce que je me suis demandé en découvrant WeShare, c'est OK, il y a ce mouvement de l'économie collaborative, il y a le peer-to-peer, il y a ces nouveaux modes, et qu'est-ce qui se passe en recherche? Qu'est-ce qu'on a au croisement du numérique, de la culture open et du peer-to-peer, et de la recherche? Et c'est là, au final, que je me suis rendu compte que ce qui répondait, c'était l'open science.
Et l'open science, c'est un ensemble de pratiques qui se retrouvent à ce croisement de ce monde, cette culture open, de la recherche et du numérique. C'est un mot un peu valise qui regroupe un grand nombre d'initiatives qu'on nomme open access, open data, open notebook, des carnets ouverts de laboratoire, mais aussi tout ce qu'on regroupe sous le nom de citizen science, qui sont de nouvelles interactions entre des chercheurs et des citoyens, soit des citoyens qui aident des projets de recherche, soit vraiment des non-chercheurs qui vont participer dès le départ à des projets de recherche. Et cette thématique d'open science, je vais essayer de vous donner des éléments clés pour la comprendre, pourquoi elle a émergé et quelles sont un peu pour ces différentes facettes qui éclairent ce terme open science. Tout d'abord, je vais revenir un peu sur la situation de la recherche aujourd'hui. Moi, je vais sûrement commencer une thèse prochainement. Et c'est un sacré challenge parce que jeune chercheur ou doctorant ou étudiant en master aujourd'hui, on se retrouve à avoir une situation de la recherche qui n'est pas simple, notamment par un manque de moyens. Donc là, c'est un article, par exemple, j'ai vu là, très récemment, hier, qui est sur l'inexorable paupérisation de la recherche. Ce qu'on retrouve souvent, c'est qu'aujourd'hui, au niveau de structure de la recherche, c'est qu'il y a un manque de moyens, mais également une bureaucratie ou le fait que une lourdeur administrative qui est présente, où on se retrouve plutôt à faire une recherche de financement que de la recherche, et puis également une précarité pour les jeunes chercheurs, où il est très dur quand on a fait un doctorat, on fait souvent ce qu'on appelle un post-doctorat, parfois à l'étranger ou parfois en France, et il est très très dur d'avoir finalement un poste de maître de conférence, d'enseignant-chercheur, ce qui fait que beaucoup de post-docs ensuite quittent le système de la recherche académique pour faire autre chose. Et c'est vrai que souvent, ces doctorants puis ces post-docs se sentent un peu désemparés par cette passion qu'ils ont pour la recherche et qui se retrouvent un peu coincés par un système qui ne leur permet pas de continuer dans ce domaine-là. Autre point sur la recherche aujourd'hui, c'est la vision, peut-être, qui peut être partagée au niveau de la recherche ou ce qui peut être transmis au grand public. Souvent, c'est beaucoup d'inquiétude, où on parle souvent de crise aussi de confiance de la société envers la recherche. Et c'est aussi la façon dont on communique sur la recherche, sur les résultats scientifiques. Où, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce grand titre, c'était l'année dernière, le Nouvel Observateur, où on dit « oui, les OGM sont des poisons ». C'était avec une affaire du professeur Serralini qui avait publié un article sur l'impact des OGM. Il avait étudié des souris qui développaient des cancers. Donc ça, c'est des messages qu'on peut avoir au niveau communication de la recherche qui sont finalement, on ne sait pas comment se fait la recherche, qu'est-ce que c'est que la recherche, que font les chercheurs, comment ils pratiquent leur recherche. On a des messages un peu qui sont aussi finalement très sexy ou qui vont parler aux personnes, donc de la communication scientifique, mais qui ne rend vraiment pas compte de ce que des pratiques de recherche aujourd'hui. Et également, autre chose par rapport à la recherche aujourd'hui, c'est l'évaluation des chercheurs, c'est-à-dire qu'il y a un fort ambiance de compétitivité du fait du manque des postes au niveau de la recherche, qui font que les chercheurs sont évalués par leurs publications scientifiques. C'est-à-dire qu'ils doivent publier des articles, et des articles dans des bons journaux scientifiques qui ont un haut impact factor. Donc c'est pour vous donner quelques notions de la recherche. Et on parle de publish or perish, c'est-à-dire qu'on doit publier, sinon on périt, on ne peut pas finalement survivre dans ce système-là. Et ça amène aussi à des dérives au niveau de la recherche, des fois des fraudes ou un système de qualité de la recherche où on se retrouve à avoir un peu ce qu'on a aussi au niveau finalement du web, presque une info-obésité, un nombre important d'articles où il est difficile aussi de s'y retrouver et de connaître la qualité des articles. Et notamment aussi parce que les articles scientifiques, il faut savoir que c'est le bout du bout du bout d'une recherche, c'est juste des résultats, et que si on n'a pas
les données ou finalement une transparence par rapport à comment on est arrivé à ces résultats-là, bah, on peut aussi dire un peu et n'importe quoi, où il est plus dur en tout cas de vérifier cette qualité et la reproductibilité de ces travaux de recherche. Donc maintenant, je vais aborder avec vous les notions qui font l'open science et dont c'est qui arrive ou qui apporte des réponses aux problématiques de la recherche actuellement. L'idée de l'open science, c'est pas de révolutionner la recherche, mais c'est pour plutôt dire il y a des problèmes aujourd'hui au niveau des pratiques de la recherche, on va essayer de mettre ça carte sur table et voir quelles sont les solutions possibles. Et un premier mouvement par rapport à l'open science qui s'est développé il y a plusieurs années, c'est ce qu'on appelle l'open access, c'est-à-dire l'accessibilité aux publications scientifiques. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez, et là je vais pouvoir vous montrer, quand vous cherchez un article scientifique, c'est-à-dire moi qui ne suis pas dans qui ne suis pas rattachée à une université, ou vous qui vous intéressez à une problématique de recherche, par exemple assez au niveau de la démocratie et de l'accès au tout ce qui est accessibilité digitale, et bah, ces articles ne sont pas disponibles gratuitement. Ils sont ce qu'on appelle derrière un paywall. Et aujourd'hui, c'est vraiment une problématique pour tous. Parce que quand on a fait un master ou quand on travaille dans certains domaines, par exemple, j'ai une amie qui fait de la psychomotricité et qui travaille avec des patients tous les jours et qui aimerait pouvoir avancer aussi, allier finalement ses connaissances pratiques, ce qu'elle découvre, avec de la recherche. Comme elle n'est pas rattachée à une université, elle ne peut pas avoir accès à ces articles-là. Et ça, c'est vraiment une problématique clé, pas seulement pour les chercheurs, qui doivent normalement payer des abonnements, les universités payent des abonnements, mais c'est une problématique pour tous, pour toute personne qui se pose des questionnements sur ce qu'il découvre, ce qu'il fait, et qui a aussi envie finalement de rentrer en contact peut-être avec des chercheurs et avancer sur des thématiques de recherche. Et donc l'open access, c'est cette idée d'ouvrir les publications scientifiques, ou en tout cas qu'elles soient accessibles gratuitement pour tous en ligne. Et là, je vous montre un exemple d'initiative qu'on a fait avec Acure PhD, qui est de montrer que finalement, l'open access, ça, c'est aussi la question et un enjeu pour un journaliste. Si vous êtes journaliste, souvent, et moi j'écris pas mal de piges au niveau neurosciences pour une fédération de recherche sur le cerveau, et souvent, à chaque fois que j'écris une pige, mon souci, c'est que je ne peux pas aller voir l'article scientifique qui est derrière. Et ça pose vraiment aussi un questionnement par rapport à ce qu'on nous sort au niveau journalisme, ou comment on peut vérifier ces informations-là. Et puis ce que je vous disais aujourd'hui, c'est qu'il y a une problématique que l'édition scientifique, pourquoi est-ce que les articles ne sont pas accessibles à tous? C'est que c'est des acteurs souvent privés, des éditeurs scientifiques, qui font payer des abonnements, et souvent de plus en plus chers pour accéder à ces articles-là. Donc voilà un peu ce que c'est que l'open access ou la problématique qui est en lien avec l'open access. Et c'est une problématique qui est assez, finalement, qui a commencé dans les années 90 avec des chercheurs qui se sont dit c'est pas normal, il faut donner accès finalement à ces publications scientifiques. Et j'ai donné le nom de quelques acteurs et cofondateurs de projets comme PLOS, qui est un journal en ligne, qui est ouvert un journal en sciences du vivant, qui permet d'accéder gratuitement à des articles. Donc ça, c'est les premiers, finalement, à avoir dire bon, il y a un bug dans ce système-là, surtout avec tout ce qui est... Tous les articles, maintenant, sont en ligne. Puis, de plus en plus, il y a eu un mouvement d'institutionnalisation. Donc... Par exemple, en France, on a HAL, qui est une plateforme qu'on appelle d'archives ouvertes, où on peut déposer ses articles scientifiques, ou dans le domaine des sciences humaines et sociales, une initiative qui s'appelle revue.org. Et puis aujourd'hui, il y a encore plein par rapport à cette problématique d'open access. Il y a beaucoup d'éducation à faire par rapport aux chercheurs et aux non-chercheurs. Qu'est-ce que c'est que l'open access? Quelles sont finalement des questions sur le modèle économique que ça engendre, mais aussi les questions juridiques en lien à ça. Et donc on est dans cette phase-là de déjà montrer ce que c'est que l'open access, et c'est pas simple pour les chercheurs, parce que souvent pour eux l'open access, c'est-à-dire que c'est
des articles de moins bonne qualité par rapport à d'autres, si on publie dans d'autres journaux qui ont, ce que je vous disais tout à l'heure, un fort impact factor. Donc on est dans cette phase d'éducation, de réflexion, et c'est ce qu'on essaye aussi de faire avec Hack Your PhD. Alors, un autre aspect de l'open science, c'est ce qu'on appelle l'open data. Je pense que ce mot d'open data, on entend tous parler aujourd'hui, donc l'enjeu de l'ouverture des données. Et c'est aussi un questionnement actuel au niveau de la recherche, d'ouvrir les données de recherche. Pourquoi ? Déjà dans un but de reproducibilité. Je vous parlais tout à l'heure que souvent on n'a que les articles scientifiques, c'est-à-dire le bout du bout du bout du processus de recherche, et que l'ouverture des données permet aux chercheurs, au final, de retester, de revérifier que les résultats finaux au niveau des articles scientifiques sont bons, sont reproductibles. Et ça, c'est vraiment un enjeu actuel de transparence, mais aussi qui permet d'aller dans le sens d'une qualité et peut-être plus d'efficacité au niveau de la recherche, notamment si on prend des domaines comme les domaines de la santé, où on peut avoir plein de données qui sont enfermées dans un laboratoire. Je prends l'exemple des neurosciences, qui est ma discipline de base, où on peut avoir énormément de données au niveau de ce qu'on appelle d'IRM, sur, par exemple, tout ce qui concerne la schizophrénie ou autre, et que si d'autres chercheurs pouvaient avoir accès à ces données, pouvaient les traiter ensemble, bah, peut-être qu'au niveau résultats scientifiques aussi, on pourrait aller plus vite. Donc c'est aussi un enjeu d'efficacité de la recherche. Et également, autre chose, et ça c'est peu imaginable pour beaucoup, beaucoup de chercheurs, c'est publier ce qu'on appelle des résultats négatifs. Parce qu'un résultat, même s'il ne donne pas ce qu'on attendait, est un résultat. Il permet d'aller plus loin et peut-être plus vite. Et sachant qu'aujourd'hui, on est dans cette culture de la compétition, si on montre qu'on n'a pas de résultat, ou que ce n'est pas le résultat attendu, ça peut nous disqualifier par rapport à notre évaluation et le fait d'avoir un poste. Or, c'est quelque chose de très important pour avancer et pour finalement partager ce qui n'a pas marché et pour aller plus vite finalement au niveau de la recherche et comprendre les mécanismes qui ne marchaient pas et avancer. Et là, je voulais vous montrer qu'on a parlé de MOOC tout à l'heure, et les MOOC, c'est aussi un enjeu au niveau de la recherche. Là, par exemple, je me suis mis à suivre un MOOC sur Reproducible Research pour montrer aux chercheurs, aux jeunes chercheurs, les bonnes pratiques qu'ils doivent mettre en place dans leur recherche et comment ils doivent ouvrir leurs données, après publier leur article, mais aussi ouvrir tout ce qu'on appelle leur code, c'est-à-dire qu'une recherche est liée aussi à des logiciels où on développe, surtout dans tout ce qui est sciences du vivant, sciences dures, et que ça commence là-dedans, c'est-à-dire comment on écrit quelques lignes de code ou quand on a un protocole de recherche, comment on peut l'ouvrir pour que finalement d'autres chercheurs puissent le comprendre. Donc voilà. Et une autre chose aussi dans l'open science, c'est ce questionnement du financement de la recherche. On en a parlé donc avec la campagne de crowdfunding de Quantique. Et c'est la même chose au niveau de la recherche, c'est qu'il y a des projets de crowdfunding de la recherche, c'est-à-dire de financement de projets de recherche, mais aussi de nouvelles formes de management de la recherche, c'est-à-dire des formes plus collaboratives. Et là, j'ai donné un exemple et je vous invite à aller voir ce super projet qui se rapproche aussi de tout ce qui est production collaborative, qui est le projet Protei, qui sont des drones qui permettent d'aller au milieu des océans et par exemple faire des mesures au niveau, quand il y a une marée noire ou autre, des mesures de la qualité de l'océan. Et ça, c'est un projet qui est complètement ouvert. Je vais aller un peu plus vite. Et là, je voulais montrer aussi, j'ai eu la chance de faire une campagne de crowdfunding l'été dernier pour pouvoir financer un voyage que j'ai effectué de 2 mois aux États-Unis pour aller à la rencontre des acteurs de l'open science aux États-Unis, parce que c'est quelque chose qui est plus développé aux États-Unis qu'en France. Et ça a été, donc il y a eu plus de 91 participants qui ont pu aider ce projet à émerger, à se développer. Donc je vais vous donner quelques détails sur Hack Your PhD.
C'est une communauté, donc c'est né il y a 2 ans, juste d'une interrogation que j'ai posée sur un poste en disant « Mais voilà, on voit se développer l'économie collaborative, on voit se développer des MOOC, mais qu'en est-il de la recherche ? Comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire un doctorat, c'est-à-dire après un master, les premières bases, les premières briques quand on est un bébé chercheur au final ? Comment est-ce qu'on peut le faire aujourd'hui avec de nouvelles pratiques, donc les pratiques de l'open science ? Et je me suis rendu compte que finalement, bah, ces questionnements-là, d'autres chercheurs le partageaient aussi, étaient curieux ensemble de découvrir ces nouvelles pratiques et d'expérimenter. Et cette initiative, donc elle a pris forme comme ça, notamment avec Guillaume Dumas, qui est un postdoc en neurosciences cognitives et qui s'est toujours battu pour publier ses articles en open access ou pour aussi faire des recherches avec d'autres acteurs. Lui, il fait beaucoup de recherches ou d'expérimentations avec des artistes, par exemple. Donc, d'ouvrir cette recherche à d'autres sphères. Donc, ACURE-PhD, c'est déjà le fait d'aller à la découverte des acteurs de l'open science. Aux États-Unis, il y a plus de 50 interviews qui ont été effectuées. Donc, dans tous ces domaines dont je vous ai parlé, l'open science, l'open web, l'open data, pour essayer d'avoir une idée de cette diversité d'initiatives. Et on en parlait aussi tout à l'heure, c'est-à-dire selon le territoire, selon les initiatives qui vont se développer en local ne sont pas les mêmes. Et donc, c'était montrer cette diversité de profils et d'acteurs de l'open science. Ça, c'est pour vous montrer un peu l'évolution aussi d'une communauté qui est... On n'est même pas encore, on n'est pas encore une association. On est juste un collectif. Et ça questionne beaucoup d'acteurs plus traditionnels de dire « Mais comment vous pouvez faire des choses alors que vous n'êtes pas structuré ?» Et bah, ça marche. Donc ça, c'était un premier rendez-vous où on était une vingtaine à essayer de réfléchir à ce que c'était que ACURE-PhD et ce qu'on pouvait faire. Et voilà, là, on est plus d'une cinquantaine maintenant à essayer d'agir et faire. Et dans des lieux aussi différents, ça, c'est ce qu'on appelle un biohackerspace. Donc, vous avez entendu parler des Fab Labs, donc des lieux de production différents. Et là, c'est des espaces de recherche ouverts au niveau biologie. Et là, il y a un nouvel espace qui s'est ouvert à Paris, qui s'appelle La Paillasse, qui va avoir plus de 750 mètres carrés en plein cœur de Paris, et qui va allier finalement des recherches en biologie, mais aussi un espace de coworking avec des entrepreneurs, des espaces plus art sciences, et un lieu d'expérimentation et aussi d'apprentissage mutuel, puisque toujours c'est l'idée, c'est de je découvre quelque chose et je partage mes connaissances aux autres pour pouvoir avancer ensemble. Avec ACURE-PhD, dans cette communauté, qu'est-ce qu'on essaye de faire et qui est vraiment lié au numérique ? C'est déjà faire de la veille, organiser des événements pour essayer de se poser des questions et d'avancer ensemble sur cette problématique de l'open science. Créer comme ça un réseau, aussi bien d'acteurs au niveau local, mais plus global. Et de plus en plus, partager les connaissances qu'on acquiert petit à petit au plus grand nombre. Donc la veille, là, c'est pour vous montrer, on est par exemple sur Facebook. Facebook, c'est pas seulement partager des images de ses vacances. On utilise aussi Facebook avec un groupe pour partager chaque jour de la veille sur l'open science. Et ce qui est super, c'est qu'au début, on était 2 à partager. Maintenant, je fais beaucoup moins de veille et c'est chacun qui apporte son information et qui la complète et qui la commente aussi. Donc c'est l'avantage de tous ces réseaux sociaux, c'est de pouvoir dialoguer chaque jour avec quelqu'un qui est au Brésil, quelqu'un qui est à Copenhague, quelqu'un qui est à Paris, à Londres, et faire part comme ça de ces projets mutuels, là au niveau de l'open science. Après, c'est des événements sur des formats variés, des brainstorming, des ateliers sur les nouveaux modèles. Donc on organise et chacun apporte ses idées et peut avancer comme ça, regrouper un certain nombre d'acteurs au niveau de ces thématiques-là. Et le lien aussi qu'Amandine parlait tout à l'heure de tout ce qui est regrouper le local et le global, c'est-à-dire que chaque lieu a ses propres thématiques. Et là, c'est des apéros de plus en plus, apéro open science, qui se développent à Lyon ou à Toulouse pour permettre à des projets bien concrets liés aux personnes qui sont, de se développer, et puis ensuite, via les réseaux, de pouvoir communiquer tous ensemble sur ce qui a été fait et ce qui reste à faire. Voilà, bon, ça on peut passer, je pense, parce que j'en ai trop, ça aussi.
Et là, c'est juste pour finir sur donc ces petits flyers qu'on a mis en place aussi avec des designers et des illustrateurs pour essayer de faire comprendre et partager sur des formats un peu créatifs ce que représente l'open science et avoir vraiment ce rôle aussi de médiation sur ces pratiques de recherche. Tout à l'heure, je parlais de la communication. Souvent, on communique sur la science, mais pas sur les pratiques de recherche. Et là, c'est notre but. On a fait appel à un graphiste qui n'avait rien à voir avec la science et qui nous a dit « Bon, bah voilà, je vais vous aider et je vais voir si j'ai compris ce que vous voulez nous dire et on va faire ensemble un projet. » Donc ça, c'est un exemple de flyers. Voilà. On peut passer. Et voilà, c'est un peu des différentes activités qu'on a en cours avec cette idée de toujours mettre en place des formats un peu créatifs autour de l'open science pour réussir à une médiation plus réussie. Et je pense que c'est... Bon, je pense que je vais passer, mais c'était juste pour finir sur l'importance au niveau de ces communautés de l'open science ou tout ce qu'on a vu ce matin. On a vu qu'il y a énormément de choses qui se passent, des changements, et qui sont basés sur des communautés. Et que ce qui est important de voir, c'est qu'il y a toute une réflexion à faire sur la nécessité d'avoir des infrastructures au niveau légal, au niveau économique, mais aussi au niveau des organisations qui soient adaptées à ça. Parce que le risque, c'est que ces communautés créent beaucoup de valeurs, partagent pour moi dans l'open science beaucoup de connaissances, et c'est comment cette valeur et ces connaissances ne soient pas capturées par d'autres acteurs ou d'autres acteurs traditionnels. Je pense que Amandine et Gwendal aussi en ont parlé ce matin sur les dérives ou les enjeux qu'amène l'économie collaborative. Et là, je voulais juste finir peut-être sur ça, sur ce super projet donc de Michel Bowens de la Peer-to-Peer Foundation, qui est un projet là, européen qui s'appelle Peer-to-Peer Value, qui essaye de réfléchir comme ça à ces nouvelles infrastructures au niveau juridique, économique, à mettre en place. Et moi, c'est un peu voilà, le sujet de pour hacker ma thèse. C'est ce que je vais essayer de faire l'année prochaine, réfléchir à ces nouvelles caractéristiques, ces nouveaux acteurs qui mettent en lumière des tensions, des problématiques, et puis à essayer de proposer des solutions par rapport à tout ce qu'on découvre. Donc moi, c'est au niveau de la recherche, mais je pense qu'on a besoin de chacun de vous ici qui apportez des connaissances et avec ces nouvelles pratiques open science pour faire avancer ce qu'on découvre tous les jours. Voilà.